Que cherches-tu, Pablo? Quelque chose à manger, Gaspard. J'ai très faim. Ta maman ne te donne rien avant de sortir? Si, bien sûr. Mais c'est toujours la même chose. Moi, je voudrais manger autre chose. Du poisson. Il n'y a rien de meilleur. Tu sens? Comme toi. On n'a qu'à se servir. Chut, tu vas réveiller tout le monde. Bah... Voyons, voyons. Oh, ça sent très mauvais. Aide-moi, Gaspard. Non. Quoi, c'est pas drôle. Mais c'est délicieux. Évidemment, c'est une boîte de sardines. Il n'y a rien de meilleur. Pablo, regarde, il y a une autre boîte ici et elle est pleine. On ouvre? Allez. Après toi. Oh, c'est trop dur. Laisse-moi faire. Je peux peut-être vous aider. Je pourrais l'ouvrir avec mon bec. Et j'aimerais bien goûter une de ces sardines. D'accord, Maribou. Mais rien qu'une, alors. Merveilleux. Bon, faites-moi de la place. Oh. Oui, oui. Oh, ça fait mal. Que se passe-t-il ici? Votre histoire m'a tout l'air d'être une prise de bec. Ouvre la boîte si t'es si malin. Sans problème, mais je veux ma part. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ben non. On voulait jouer les gros becs. Et si Gaëtan lâchait la boîte de très haut, c'est sûr qu'elle s'ouvrirait. Bonne idée. Allez, c'est parti. C'est bon, Gaëtan, c'est assez haut. Tous à l'abri. Par le grand toutou. Mais qu'est-ce que c'était? Il pleut des boîtes de sardines. Calme-toi, Baxter. Tu es notre dernière chance. Est-ce que tu pourrais nous aider à ouvrir cette jolie boîte de sardines? Des sardines? Voyons voir. Oh non, cette fois c'est fichu. Oh, il pleut des sardines. Waouh, c'est magique. Regardez, sardines pour tout le monde, à table. C'est bon, monsieur.